What is Dada? Warum Dada? Que veut Dada? Why? Was heißt Dada? Dada war eine Bombe. Wir, die Dada, haben diese Bombe zum Platzen gebracht. Die Bombe ist geplatzt und hat viel Geräusch gemacht. Die Splitter sind über die ganze Welt verstreut. Was machen die Museen heute? Sie suchen die Splitter zusammen und wollen sie in ihren Ausstellungen dem Publikum als Reliquien vorstellen. C'est à la fois très simple et très difficile à expliquer. Le seul chemin qu'on pouvait vraiment prendre, c'était une sorte de parler de toutes les questions les plus graves d'une manière soi-disant absurde ou à la blague. Denn Dada ist ambivalent. Es gibt Dadaisten wie Hugo Ball, die voller Idealismus nach einer neuen Lebensform, nach einer neuen Kunstform suchten, und Nihilisten wie Marcel Duchamp oder Picabia oder Serner oder Zara, die überhaupt nicht an die Möglichkeit glaubten, an eine neue Kunst, keine neue Kunst wollten, sondern alles daran setzten, die Künstler, wie sie waren, überhaupt aufzulösen. Mais en général, d'ailleurs, ce qui s'est passé en 16, 17, 18, au point de vue Dada à New York ou à Paris, au point de vue esprit en tout cas, ne pouvait avoir que de portée que 40 ans après. For once, it was the Dadaists themselves that gave the name. You know, such words as impressionism or cubism were given by critics who attacked the painters. Zara betonte am 18. April 1916, also lange bevor Dada eine Weltfirma geworden war, dass ein Wort geboren sei, man weiß nicht wie. Und Arp, ich erkläre hiermit, dass Zara das Wort Dada am 6. Februar 1916 um 6 Uhr nachmittags erfand. Ich war gegenwärtig mit meinen 12 Kindern, als Zara zuerst das Wort äußerte. Das geschah im Café de la Terrasse in Zürich und ich trug einen Brioche in meinem linken Nasenloch. So, I accepted the word, but the things I did were acceptable to the Dadaists. Therefore, my works were Dada too. I also said, I wrote a preface some years ago for a big exhibition Dada, and I started with the words, who made Dada? And then I said that I made Dada when I was 3 years old and my mother spanked me. Im Slawischen heißt ja, 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 Dada. Und ich fand das durchaus zutreffend, denn nichts konnte besser unsere Situation charakterisieren als eine lebensfrohe Betonung unserer Situation in dieser Insel im Todesmeer. Man muss sich vorstellen, dass diese ganze Bewegung ja während des Krieges stattfand und dass wir auf dieser Lebensinsel umgeben von Kriegen in Zürich saßen. Eine Vereinigung von Menschen, die sich in einer künstlerischen Gemeinschaft fanden, wie sie selten bestand. Wir waren außer uns über die Leiden und Entwürdigung des Menschen. Wir spürten, dass die Banditen aufstehen würden, denen in ihrer Machtbesessenheit selbst die Kunst dazu diene, Menschen zu verdummen. Man hatte die Hoffnung auf eine gerechtere Lebensbedingung der Kunst in unserer Gesellschaft verloren. Diejenigen unter uns, die dieses Problem bewusst erkannten, fühlten das Gewicht einer enormen Verantwortung. Wir suchten eine elementare Kunst,
die das Gleichgewicht zwischen Himmel und Hölle herstellen können. Contre les injustices, la cruauté, la méchanceté des hommes, de ce qui a sévi pendant, particulièrement pendant cette guerre de 14-18, qui a vu naître cet esprit dada d'une manière tout à fait particulière. Et il est certain que, à mon avis, c'est ce besoin de justice, ce besoin de réaction contre toutes les horreurs de l'époque qui a créé la nécessité pour les êtres vivants plutôt de l'esprit que de la matière de réagir de la manière qui leur était possible. Im Februar 1916 gründete Hugo Ball in der Spiegelgasse 1 das Cabaret Voltaire, aus dem Dada entstand. Also Ball war der eigentliche Gründer der Dada-Bewegung. Es kamen auch tatsächlich drei junge Männer, der eine war Christian Zara, der andere Marcel Janko und ein dritter Herr, dessen Namen er sich nicht mehr erinnerte, und boten ihre Dienste an. Hans Arp war auch da für die Dekoration. Emmy Henning sang mit ihrer etwas brüchigen, aber sehr überzeugenden kleinen Stimme. Ball spielte Klavier und das Kabarett startete. Ecuatorial.
Merde. C'était donc tous des intellectuels, des artistes qui se livraient à des facéties qui semblent parfois absurdes, mais qui au fond étaient pleines d'un esprit révolutionnaire qui apparaît de plus en plus avec le temps. Pour faire un poème dadaïste, prenez un journal. Choisissez dans ce journal un article ayant la longueur que vous comptez donner à votre poème. Découpez ensuite avec soin chacun des mots qui forment cet article et mettez-les dans un sac. Agitez doucement. Sortez ensuite chaque coupure, l'une après l'autre. Copiez consciencieusement dans l'ordre où elles ont quitté le sac. Le poème vous ressemblera. Ce que nous ne savions pas, c'est que leur mouvement s'appelait Dada. Or, nous n'avions jamais entendu parler de Dada jusqu'à présent, et c'était assez extraordinaire de voir que c'était quand même le même esprit de révolte contre la situation de l'époque qui créait ce courant de violence contraire et avec les moyens dont on disposait, c'est-à-dire l'absurde, le canular, la mise en boîte. Quant à la portée de Dada en général, les deux mouvements, le mouvement de New York et le mouvement de Zurich, sont très très semblables, même s'ils ont des formes différentes de techniques. Par exemple, vis-à-vis du public, nous avions à New York un mépris du public, mais un mépris qui ne se manifestait pas par des injures ou des insultes sur la scène, si vous voulez. Alors, avant tout ça, il y avait eu en 13 l'Armory Show où j'avais exposé le nu descendant l'escalier qui avait fait un succès de scandale, en tout cas, au moins. Ça m'a été suggéré par les études des physiciens Marais français et Muybridge anglais. J'ai obtenu la même technique, si vous voulez, de diviser le mouvement en divers états statiques de la position du corps d'un nu qui descend un escalier.
À Paris même, en 14, j'avais fait le porte-bouteille, qui maintenant est devenu une sorte de pierre, de morceau de... une sculpture qu'on mentionne parmi les œuvres sculpturales du siècle, mais enfin, qui n'était pas du tout, n'avait pas l'intention de devenir une sculpture au sens culture du mot. Par conséquent, ça n'est devenu un ready-made qu'en 1915, quand j'ai inventé le mot, parce que le mot n'existait pas à Paris. C'est quand j'ai habité les États-Unis, à partir de 15, que le mot ready-made m'a tenté pour qualifier ces objets. Qui a décidé de ne pas exposer cet urinoir, et ils l'ont jeté derrière une cloison, et nous ne l'avons pas jamais retrouvé pendant toute la durée de l'exposition, et avec beaucoup de mal, nous l'avons trouvé après. C'était une attitude qui n'avait pas l'intention de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, et le public n'entrait pour ainsi dire pas dans nos activités. En somme, j'ai commencé le grand verre en 15 exactement, et je ne l'ai même pas fini en 18. Mais tout en faisant des actes dada, je travaillais à mon grand verre. When I look at certain objects, I have a desire to transform them or to add something to them so as to give it an added dimension. Perhaps I should be more simple by saying that I want to give it a poetic dimension. Therefore, when I first saw a metronome and heard it ticking, since I am concerned a great deal with vision as a painter, as a photographer, the eye becomes a very important part. And so the idea came to me to transform this metronome not only into a sound object, but a visual object as well, as it moves. So I would set it in motion. I stuck a photograph of an eye on it and just set it in motion. Like that, you see? So that adds another dimension to the ordinary object. Now, I must say, explain also that I always give these objects new titles. I do not call it a metronome anymore. I call it object to be destroyed, to begin with. Why? Because after it ticks like that for 5 or 10 minutes, I want to destroy it, as anybody else would. Pick up a hammer and smash it, which I intended to do one day. But I was spared that trouble because one day in an exhibition they destroyed it. Some people who came in saw it, they were annoyed by it, so they destroyed it. Well, there was some trouble with the gallery and with the insurance who didn't want to pay at first, so I said, well, it's a work of art. Since I signed it with my name. Anything that I sign is a work of art like a painting or a sculpture. Probably that was another one of the attempts to transform a useful object into a useless object. There was no sadistic idea behind it, as many people imagine. In order to avoid photography really becoming a bore
or a sort of a repetition of the same act. I began to play with it, experiment with it. Il présente à l'espace l'image qui l'excède, il est. Avec ses mains crispées, ses avantages de tête, la capte et la garde dans son sein. Alors, notre arrivée à Paris avait été annoncée justement par l'envoi de ces derniers numéros qui ont fait sensation dans toute la jeunesse littéraire, André Breton, Éluard et tout leur entourage. Très vite, Picabia a eu autour de lui tout un groupe ne demandant qu'à le suivre dans son action plus ou moins révolutionnaire. Naturellement, on a pensé à Zara et on a fait venir Zara. Nous sommes tous revenus à Paris, les Uriquois et les Américains, sous la forme de mon voyage. En 19, quand je suis rentré à Paris, où j'ai fait la rencontre, où j'ai fait la connaissance de tous les nouveaux dadas qui s'appelaient... Éluard, la nourrice des étoiles. Breton, le verre d'eau dans la tempête. Aragon, la canule de verre. Soupeau, la pissotière à musique. Anonyme, le grand serpent de terre. Picabia m'a emmené au bar Certa, où vers 5 heures, entre 5 heures, il y avait des libations et des acclamations dada. Puis, vers 1921, Manet est venu de New York à Paris. Donc, l'affaire dada était au complet vers 21 à Paris, quand ils ont fait toutes leurs manifestations. Moi-même, je suis reparti d'ailleurs à New York parce que j'ai pris part à aucune des manifestations, non pas par esprit, simplement que j'habitais New York et je restais à New York, j'étais plus parisien. Pour le fusil. Lavez vos seins comme vos gants. On doit couper son nez comme ses cheveux. Mise en accusation et jugement de Monsieur Maurice Barrès par Dada. L'œuf dur, le cœur à barbe, lit et rature. Pariser Gruppe war mit den politischen Einstellungen der Berliner Gruppe keineswegs einverstanden.
Sie wollten sich absolut von jeder reellen Politik fernhalten. Nur durch ihre Demonstrationen und Manifeste. Der Dichter schwebt über die Parteien. Das war der Hauptunterschied zwischen der deutschen und französischen Auffassung von dem Begriff Dada. Die Berliner Dada sind nach Berlin zurückgekehrt und haben dort Dada weitergeführt in einem Sinn, der den Franzosen nicht sehr gefiel. Sie sind politisch geworden, sie haben sich zum Kommunismus bekehrt. Das kam natürlich in ihren Werken zum Ausdruck. So zum Beispiel Gross, Georges Gross. War die Sache wieder verschieden. Wir waren eigentlich zwei Übeltäter in Köln. Der eine hieß Bargeld, der andere war ich selber. Wir haben da gehaust und so viel Übel angestiftet, wie wir nur eben konnten, mit den Ausstellungen, Zeitschriften, Plakaten und so, die dann meistens von der englischen Behörde verboten oder eingezogen wurden. Schwitters ist von Anfang bis zu Ende seines Lebens Dada geblieben. Er hat die wunderschönsten Dada-Gedichte gemacht, die jemals gemacht worden sind. Und die schönsten Collagen ebenfalls. Schwitters hat die letzte Konsequenz gezogen. Er hat völlig verzichtet auf was die bürgerlichen Kunst nennen, damit Dada lebe. Dada hat gelebt und hat schon zu seinen Lebenszeiten gesagt, wenn die Zeit kommt, werden wir gerne und freudig ins Grab steigen. C'est maintenant seulement que nous savons ce qui s'est passé. En somme, il y a toujours eu des mouvements plus ou moins importants qui n'ont jamais eu de suite et que la postérité n'a pas consacré, tandis que nous avons au moins l'avantage de voir aujourd'hui la consécration. Wenn Tristan Tzara heute hörte, hören würde, hören könnte in seinem Grabe, dass sich die Museen und die Kulturministerien dazu anschicken, ein 50-jähriges Dada-Jubiläum zu feiern, so würde er im Grabe rotieren. Dada est mort! Vive Dada!